Bonjour à tous et bienvenue sur Bulle d'air numéro 13 sur ma chaîne Planète Strange. Aujourd'hui, on est en balade. Belle promenade, hein. Et oui, ça sent la renaissance. Ça sent le printemps. Ça sent que la Saint-Valentin est derrière nous et que ça a bien copulé et que ça bourgeonne de partout maintenant. Donc on va en profiter, hein. Oh, du crottin d'ours, c'est intéressant. Non, je plaisante. Voilà, donc ce bulle d'air numéro 13 va être basé sur deux adaptations de deux romans gothiques, dont un que je considère comme le père de la science-fiction, c'est Frankenstein ou le Prométhée moderne de Mary Shelley, et Dracula de Bram Stoker, qui est le roman gothique par excellence, qui sont adaptés tous les deux en bande dessinée par Georges Besse, un dessinateur français qui a dessiné des comics aussi. Et oui, et croyez-moi que ce gars-là, il a énormément de talent, hein. C'est un dessinateur incroyable, mais ça, je vous ferai découvrir un peu plus tard. C'est aussi, si tout va bien et si tout se passe bien, la première émission qui va être montée. J'espère que le montage sera pas trop mal, hein. Je débute, hein. Vous m'excuserez si tout n'est pas parfait. En attendant, on se dirige vers la Croix Saint-Jérôme, un site que je vais vous faire découvrir et qui se situe dans le massif des Trois Pignons. Massif magnifique qu'on appelle aussi le cul du chien. Et croyez-moi, ça grimpe. On est en Île-de-France, mais c'est pas le Mont-Blanc, mais faut y aller, hein. Faut crapahuter. J'ai l'impression que c'est quand même l'un des plus hauts sommets d'Île-de-France. Enfin voilà, donc on va parler de ces deux chefs-d'œuvre. Ça vous la coupe, hein. 900 mètres de dénivelé et pas une goutte de sueur. Alors Georges Besse, c'est qui ce dessinateur fantastique qu'on considère comme l'un des plus grands de sa génération? Georges Besse est né en 1947, je crois à Paris, si je dis pas de bêtises. Il a fait les Beaux-Arts et est parti s'installer en Suède. Et en Suède, il faut savoir que un personnage de comics book, de Lee Falk, entre autres, est très, très, très populaire. Le fantôme du Bengale, ça vous parle? Et voilà, Georges Besse a dessiné à plusieurs reprises le fantôme du Bengale, en sachant que, si je dis pas de bêtises, parce que je connais un peu le pays voisin qui est la Finlande, effectivement, le fantôme du Bengale est très très présent dans les pays du Nord, et que c'est eux-mêmes qui ont la licence pour pouvoir éditer et dessiner le personnage et de créer des histoires qui sont totalement indépendantes du comics américain. Voilà, donc Georges Besse est donc passé par là. Il a collaboré aussi avec le journal Mad, entre autres, et il a travaillé avec Alejandro Jodorowsky aussi. Et voilà, c'est tout ce que je pourrais vous dire sur l'artiste, si ce n'est qu'il a un sacré crayon et un sacré style. Mais avant d'aborder son Dracula, on va quand même parler de Dracula de Bram Stoker très très rapidement. Alors, je sais, je veux pas vous faire une insulte si vous ne connaissez pas l'histoire, mais ça serait même très étonnant. Je vous invite quand même à découvrir le roman si vous l'avez jamais lu, hein, parce que c'est vraiment à lire. En sachant qu'en plus, Bram Stoker
utilise un système de narration assez intéressant qui est tous les personnages sont les narrateurs du récit. Et c'est la force de son roman à travers des journaux interposés, le journal de Dracula, le journal de presse, le journal du Minerve, donc le bateau, et ainsi de suite. Donc l'histoire raconte l'histoire d'un clerc de notaire à Londres, Jonathan Harker, qui part en Transylvanie pour vendre des terrains au comte Dracula qui vit dans un château isolé en Transylvanie. Très rapidement, Jonathan Harker va découvrir la vraie nature de ce comte Dracula et va s'en mordre les doigts. C'est comme ça. La suite, vous la devinez ou pas. En tout cas, je vous invite à lire le roman et aussi à lire la bande dessinée. Mais ça, c'est plus pour le plaisir des yeux, car je dois reconnaître que la BD de George Bess est vraiment, vraiment très, très proche du roman. Donc voilà sur le roman. Et le Frankenstein de Mary Shelley, hein? Le Frankenstein de Mary Shelley, qui est sorti en première partie du 19e siècle sous le titre Frankenstein ou le Prométhée moderne. Là, c'est la même chose. Si vous n'avez pas lu le roman, je vous invite à le faire. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Je considère, pour ma part, qu'il s'agit probablement du premier roman de science-fiction de l'histoire de la littérature. Il y a sûrement d'autres choses avant, parce qu'on raconte certains autres écrits qui étaient précédents, mais en tout cas, c'est le roman qui a marqué le début ou la naissance pour moi de la science-fiction en termes d'impact, en termes de popularité aussi, à travers le temps, puisque il y a eu quand même pas mal d'adaptations cinématographiques aussi, comme Dracula. Faut savoir, le roman, ça raconte quoi? Une expédition perdue dans le Nord, qui cherche la fameuse route du Nord, en passant par l'Arctique, et qui vont découvrir une étrange créature et un étrange survivant. D'abord, excusez-moi, un étrange survivant, un certain Dr Frankenstein, qui va raconter son histoire, et il est poursuivi par une étrange créature. Là aussi, je vous invite à lire le roman, et aussi à lire, évidemment, l'adaptation de George Bess, hein, qui est magnifique. Et ouais, comme Planète est super doué pour se repérer, eh ben il s'est gouré de sommets pour la croix, mais c'est pas grave, on va la trouver. En attendant, profitez un peu du cadre. C'est rocheux, hein, comme vous pouvez le constater. Et je dois vous dire, c'est énormément de rochers dans le coin. Hein. C'est vraiment très très spectaculaire. Beaucoup de rochers ont des formes d'animaux, peut-être de monstres, de Frankenstein, voire de vampires. On continue la balade et vous allez voir, il y a pas mal de choses à voir finalement. Je pense qu'on va regarder ces deux petits chefs-d'œuvre en bande dessinée, parcourir les pages pour que vous puissiez profiter un peu des dessins. Et parce que le massif des Trois Pignons, c'est quand même... Faut m'allumer. Voilà donc les deux ouvrages de George Bess. Donc Dracula à gauche et évidemment Frankenstein à droite. Comme vous voyez, c'est deux belles couvertures. Il existe des éditions aussi collector que je ne possède pas, donc si vous les voyez et que ça vous intéresse, je vous conseille vivement de les prendre, évidemment à des prix raisonnables. Donc voilà, ça c'est les Dracula, on commence par lui. Donc la couverture, vous l'avez vu, hein. Je vais pas m'attarder dessus. On va s'attaquer directement à ce qu'il y a à l'intérieur et au niveau des dessins. Admirez déjà, regarde, sur cette double page, les détails, la teneur des détails quand même de Bess sur le dessin. On va avancer un peu. Là, on voit Jonathan Harker. C'est le début quand même. Ça, c'est quand le cocher arrive pour venir le chercher.
scène du cocher, la présence des loups. Bienvenue en Transylvanie, ça rigole pas du tout. Regardez-moi ces visages. C'est le comte Dracula est quand même. Oh là là, les détails, les rides sur le visage et tout, c'est extraordinaire. Il y a un vrai travail sur le noir et blanc quand même qui est remarquable. J'avance un peu. La scène des concubines, hein, donc qui est là, Jonathan est en train de découvrir à ses dépens qu'il y a des pièces où il faut pas aller. Regardez-moi ce visage. On a l'impression que c'est Morbius le vampire. C'est superbe. Franchement fantastique. Il y a vraiment un sacré coup de crayon. Il n'y a pas à dire sur la scène du Minerve qui va inspirer les scénaristes d'Alien. C'est waouh, c'est comme quoi rien de né du vide. Ça c'est Van Helsing, le chasseur de vampires. Encore des pages incroyables. Regardez-moi ce portrait qui nous renvoie à Nosferatu, le fantôme de la nuit. Bess, n'hésite pas à nous sortir toutes les influences sur les œuvres, sur les vampires, même les copies, comme Nosferatu, du roman de Bram Stoker. Regardez-moi cette nuance de gris et tout, j'adore, franchement, c'est super beau. Quand vous venez ici, il faut savoir qu'il faut accepter de monter, mais aussi accepter de descendre, et de remonter, et de redescendre, et de remonter, et de redescendre, et de remonter. Et de redescendre, croyez-moi, c'est pas une sinécure. Hein. Alors on enchaîne avec Frankenstein, donc toujours de George Bess. Là la couverture, je vais pas m'attarder non plus. Hein. On enchaîne directement sur les pages qui nous intéressent. Regardez-moi ça. Oh. Il sait aussi dessiner des voiliers. Hein. Il n'y a rien qui lui échappe hein, au niveau du crayon. C'est fou toutes les nuances qu'il fait entre le noir, le gris et le blanc. C'est génialissime. Je vais essayer d'avancer un peu quand même. Là, on voit le laboratoire du docteur Frankenstein. Sa manière aussi de nuancer le gris pour faire la nuit. C'est remarquable. Les yeux, c'est. Travailler sur les yeux, sur un moment, c'est incroyable. On avance un peu quand même. Pour vous en faire voir le maximum, au moins la créature qui commence à apparaître, que vous voyez ici. Donc, moi j'ai eu la chance de lire le roman. Dans sa première édition française, et qui est accompagnée d'une nouvelle, qui est une nouvelle sur les vampires. Et c'est un peu la nouvelle qui va donner le là sur le genre en question, quoi, sur les règles, les morsures au cou et ainsi de suite. Donc c'est bien avant Carmilla et le Dracula de Bram Stoker. Regardez ça.
toujours en nuance sur le gris. Il y a aussi un truc qui me... Alors là, je sais pas si on va le voir, mais sur l'anatomie et la décor, il est... Là aussi, c'est d'une précision. Il a un trait d'une très très grande précision. C'est remarquable. Les animaux aussi. Vous voyez, c'est... Rien ne lui échappe, hein. Mais alors, rien du tout. Regardez-moi cette chouette. Ou ce hibou, c'est plutôt un hibou. C'est incroyable. Oh là 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 là. En tout cas, j'espère que ça va vous donner envie de trouver ces bandes dessinées si vous les avez pas, ou même de les relire, quoi, parce que c'est vraiment vraiment fantastique. C'est oh là là, regardez-moi ça. J'essaie, dans un temps quand même assez restreint, de vous en faire voir quand même le maximum. Et puis, je vous invite aussi à lire les romans, hein. Le Dracula de Bram Stoker et le Frankenstein de Mary Shelley. Pour moi, c'est deux chefs-d'œuvre du 19e dans les romans de genre. J'ai pas le sentiment qu'on ait fait mieux, même si c'était très riche à l'époque, hein, déjà, sur beaucoup de choses. Oh là là. Voilà. Bon. J'espère que ça vous a plu. Bon, oula, j'ai failli tomber. j'espère que les dessins vous ont plu, hein, que ça soit pour Dracula et Frankenstein. En attendant, il n'y a pas que des bonnes chaussures qu'il faut que vous preniez. Ce qu'il vous faut... Un GPS ou un téléphone GPS, c'est pas mal. Mais le mieux du mieux, pour vous éviter de tomber en panne, c'est une bonne carte bison futée, faites-moi confiance. Et une boussole, éventuellement, parce que c'est immense et grand. Et puis, je dirais aussi 1,5 litre d'eau en période hivernale, voire 3 litres en période d'été, car c'est un site où il n'y a pas de point d'eau. Et ça, c'est très très important si vous venez là. Au pire des cas, vous habitez l'Île-de-France, vous me trouvez sympathique, et vous dites « Ah, oh, il est sympa, Planète !» Et ben, vous m'envoyez un petit message, et puis c'est avec plaisir que je vous ferai visiter le site, parce que je le connais assez bien. Et franchement, c'est avec beaucoup de plaisir, et je vous ferai découvrir des choses que même beaucoup de touristes qui viennent ici ignorent sur l'endroit. Et voilà. Donc, on continue jusqu'à la Croix Saint-Jérôme, quand même. Et je vous raconterai un peu son histoire. Bingo! Enfin, on y est. Foutue Croix Saint-Jérôme. Bordel de nouilles. C'est beau, hein? Franchement, c'est... Ça a de la gueule, le point de vue, hein. C'est incroyable. Et puis, il fait un temps, mais alors magnifique. Je vous dis pas. Magie du montage. Si je vous disais qu'on est précisément en février, mon doigt vient de passer. Et on est toujours avec cette croix. Alors, c'est quoi l'histoire de cette croix, hein? Vous vous posez bien la question? Je vais vous raconter. C'est en Touraine qu'on parle le mieux français. L'histoire de cette croix que vous voyez là, derrière, c'est une zone de parachutage. Alors, pas tout à fait. Vous connaissez tous le bat-signal de Batman à Gotham. Eh ben, c'était le bat-signal de la Résistance. Pour aider les avions d'outre-Manche, pour parachuter des armes, des fusils, des mines anti-chars, ce genre de choses. Et le 21-22 juin 1943, il y a eu un très très gros parachutage dans une des vallées adjacentes à cette croix. Malheureusement,
le chef de ce réseau de résistance finira arrêté avant même la libération de Paris, donc le 15 août, et sera emprisonné à Fresnes, puis déporté en Allemagne. Voilà donc l'histoire de la croix Saint-Jérôme. J'espère que cette émission vous a plu, que la balade vous a plu. Moi, je vous avoue, là, le site, c'est la classe. J'adore venir ici. Surtout quand il fait très, très beau. Donc, je vous dis à bientôt pour un prochain bulle d'air. Bulle d'air numéro 14. Mais je sais même pas de quoi on va parler. C'est moi qui vous le dis. Bisous. Et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner, parce que je ne pense jamais à le dire, si ce que je vous ai fait voir vous a plu. Si ça vous avait pas plu, vous pouvez mettre un pouce... C'est la loi. Faites ce que vous voulez. Je suis pas là pour vous imposer des choses. Et puis, n'oubliez pas, le Parigo vaut mieux l'avoir sur YouTube. Bisous à tous. Et vous connaissez la différence entre un bon et un mauvais conducteur, parce que je vous dis ça parce que on n'est pas très loin d'où habite Pierre Palmade et pas loin d'où est enterré Claude François.